au point de départ de ce projet, il y a d'abord le souci d'aider la filière du bâtiment à recruter une main-d'œuvre dont elle a cruellement besoin. Donc là, nous avions la chance d'avoir un espace considérable à notre disposition, avec une qualité environnementale et paysagère également à valoriser. Nous avions l'objectif plus précisément de faire de ce lycée un lycée au plus haut niveau de qualité, indiquant aussi que ce chantier était un chantier école. Ne l'oublions pas, il s'agissait bien de construire un lycée pour des acteurs du bâtiment. Il y a donc là eu aussi un dialogue extrêmement fructueux pendant la construction entre les professionnels en action pour construire le lycée et les futurs professionnels de ce secteur. C'est un lieu d'acquisition et de transmission de savoir et c'est un lieu de vie. Et il fallait que cet établissement rende compte d'une part de l'ambition de la région et de la nôtre en matière d'utilisation de techniques traditionnelles de l'architecture, et il fallait qu'il soit lui-même un lieu de support pédagogique mais aussi un lieu d'éducation du regard, c'est-à-dire qu'en vivant dans le bâtiment, en y prêtant petit à petit attention, on découvre indirectement ces secrets de fabrication. Et au fond, on se disait que certaines parties du bâtiment, pour ne pas dire toutes, pouvaient être le support, si les enseignants jouaient le jeu, de cette éducation du regard, non seulement à la qualité de l'architecture, mais à la qualité de la construction. Ce lycée, il raconte d'une part l'histoire de la construction, c'est-à-dire le fait qu'un matériau de construction peut être utilisé en tant que tel, mais aussi comme le bois, en coffrage, en matrice d'un élément, le béton armé, qui peut être moulé. C'est-à-dire qu'au fond, les différents corps de métier, charpentiers et les maçons ont toujours travaillé ensemble. Il dit aussi que ce qui révèle la matière, ce qui révèle l'architecture, ce qui révèle l'espace, c'est la lumière. Notre récompense principale vient de la façon dont les utilisateurs, les élèves profitent des lieux, et également les relations qu'il établit avec son environnement, ses jardins, les vues lointaines sur les monts d'Auvergne, les praticables de Jean-Christophe Nourisson. Donc à tous les niveaux, nous avons essayé d'unir nos efforts, je dirais tous les concepteurs de ce lycée, pour que l'ambition du maître d'ouvrage et des concepteurs se traduise concrètement par l'agrément des utilisateurs
au premier rang desquels les enseignants et les élèves. Porter une attention à des espaces, les patios ou les grands actes qui nécessitent peut-être un soin plus détaillé. Et sur l'extérieur, on a travaillé avec plus des prairies et qui progressivement font que depuis le centre, le cœur de la vie de l'école et en allant de vers les vues les plus loin, donne aussi à penser qu'on se relie aux paysages lointains et organise la transition visuelle. Ça fait partie, oui, des premières lignes de conduite qu'on se donne. On jouit de l'espace, non seulement quand on est dedans, mais quand on se promène entre les éléments. C'est-à-dire le fait de ne pas être contraint d'utiliser toujours le même accès. Le fait de pouvoir choisir son chemin, tout simplement. C'est aussi une façon de responsabiliser les élèves sur leur choix d'avenir, c'est-à-dire leur rappeler qu'ils pourront toujours choisir et construire leur point de vue. Un point de vue, ça se construit.